Mais aujourd'hui, sur 198 États membres de l'ONU, 109 ont aboli en droit la peine de mort, 36 ont renoncé à la pratiquer. Et en 2020, aux Nations Unies, 123 États ont voté un moratoire sur les exécutions. Ainsi, l'abolition est devenue majoritaire parmi les États du monde. En Europe, notre continent, ravagé pendant des siècles par la criminalité sanglante, la peine de mort a totalement disparu, sauf en Biélorussie, le dernier État stalinien. L'abolition est devenue l'un des piliers de la civilisation européenne et la Cour européenne des droits de l'homme expression la peine de mort comme une forme de sanction inacceptable. Dans l'ordre international, conventions et déclarations excluant le recours à la peine de mort se sont multipliées. Je n'en donnerai pas la longue liste, mais je citerai seulement, car il est riche de sens, le statut de Rome de 1998 créant la Cour pénale internationale, parce qu'elle a pour mission de juger les pires criminels qui soient, les criminels contre l'humanité, et que ces statuts ont exclu le recours à la peine de mort. Et je puis dire sans m'avancer qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas en Europe un magistrat, qui se prononcerait pour la peine de mort dans des juridictions internationales, il refuserait d'y siéger tout simplement. Ainsi, l'humanité va de l'avant. Même si certains États, et notamment la Chine, l'Iran, l'Égypte, l'Irak, l'Arabie Saoudite, mais aussi les États-Unis, grande république amie, voient là se succéder condamnation et même exécution. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, la France se doit d'être partout présente au premier rang quand il s'agit de combattre la peine de mort. Il ne suffit pas d'un moratoire universel sur les exécutions. Nous devons obtenir qu'il soit mis fin aux condamnations, car nous refusons que s'accroisse la masse des milliers de condamnés à mort dans le monde, parmi lesquels se trouvent des innocents qui peuplent les quartiers de la mort pendant des années, voire des décennies. Tant que dans le monde, on pendra, on gazera, on décapitera, on lapidera, on fusillera toutes celles et ceux qui considèrent le droit à la vie comme un absolu moral doivent poursuivre leur combat. Je veux, en cet instant, vous dire ma conviction absolue. La peine de mort est vouée à disparaître de ce monde parce qu'elle est une honte pour l'humanité. Jamais, nulle part, elle n'a fait reculer la criminalité sanglante. Pire encore, s'agissant du terrorisme, ce fléau de notre temps, la peine de mort,
transformerait le terroriste en martyr ou en héros aux yeux de ses partisans. Et après chaque exécution, un commando de fanatiques se lèverait pour le venger en commettant de nouveaux attentats. En vérité, la peine de mort ne défend pas la société des femmes et des hommes libres, elle la déshonore. Ainsi, devons-nous refuser toujours et partout que sous couvert de justice, la mort soit la loi. Est-ce à dire que là où l'abolition est acquise, notre tâche est terminée? L'abolition ferme les pages sanglantes de notre justice, mais elle en ouvre une autre, parce qu'elle lui laisse la vie, la justice, et au-delà, la société tout entière, doivent permettre aux condamnés d'exercer ce droit dont Victor Hugo, le plus grand des abolitionnistes, disait déjà que nul ne saurait en être privé, le droit d'être meilleur.